La situation reste extrêmement tendue à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Sous des températures glaciales et dans des conditions difficiles, pas moins de 7000 migrants seraient toujours présents aux portes de l'Union européenne, selon les autorités biélorusses, alors qu'un premier vol de rapatriement transportant plus de 400 migrants a atterri jeudi soir à l'aéroport d'Ebril en Irak. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est dit prêt à aider 5 000 d'entre eux à entrer dans leur pays. Il a par ailleurs affirmé que l'Allemagne pourrait accueillir les 2000 autres. Information que l'Allemagne et l'Union européenne ont aussitôt démentie. Ces derniers évoquent des discussions techniques, mais uniquement pour rapatrier les migrants et leur apporter une aide humanitaire. Mais il n'y aura pas d'accueil de réfugiés en Europe. La Pologne, de son côté, maintient la présence de 15 000 soldats à la frontière et une centaine de migrants qui tentaient de passer ont été arrêtés. Les autorités biélorusses sont pointées du doigt par plusieurs pays. Les incriminants dans cet afflux de migrants, les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par minsk à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Varsovie accuse Minsk de délivrer des visas de transit aux ressortissants de plusieurs pays afin d'attirer des candidats à l'exil, de les acheminer jusqu'à la frontière et même de leur fournir des outils pour découper la clôture, une situation qui a poussé l'UE à étendre ses sanctions à partir du 15 novembre contre la Biélorussie.